Rennes est dans le dernier carré de la Coupe de France. Les Bretons se sont imposés jeudi à Saint-Étienne, devant le Puy, pensionnaire de National 2. En quart de finale, 1-3. Un but d'Arthur Tite et un doublé de Benjamin Bourigeaud ont permis à la formation de Julien Stéphan de mettre un terme à l'aventure des Poneaux, qui avait réduit l'écart peu après l'heure de jeu. Fin de l'aventure donc pour le petit poussé de la Coupe de France. Le Stade Rennais a ouvert le score à la 9e minute grâce au but de Tite. Bourigeaud a doublé le score à la 49e minute grâce à un pénalty. Adinani a réduit le score vers 2-1 à la 61e minute. Mais Bourigeaud revient vers la 82e minute pour marquer le but décisif du match et tracer 3-1 au tableau.